مرحبا جميعا، هون قناة كينيديان انفلونسر وان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعنا بفيديو جديد رح يكون باللغة الفرنسية ورح يكون اسئلة للفصل الثاني كي سومنو لحتى نحن نرسخ المعلومات. بالمناسبة للعالم اللي ما شاف الفيديوهات اللي انا عملتها عن هالفصل، بنصحكم تشوفوا قبل ما تشوفوا هذا الفيديو، لانه كما قلت لكم رح يكون هذا الفيديو عبارة عن اسئلة بس. الروابط تبع الفيديوهات بتلاقوهم بالديسكريبسيون تبع هذا الفيديو، او فيكم تروحوا تدوروا عليهم بالقناة فورا. إذا ما نحلوا معكم الأسئلة من أول مرة كلهم صح، ما مشكلة، رجعوا شوفوا الفيديوهات اللي أنا عملتها شرح عن هذا الفصل مرة ومرتين، وشوفوا هذا الفيديو ورجعوا حلوا الأسئلة مرة ثانية لحتى تتأكدوا إنكم فهمتوه منيح وحفظتوه منيح. وهلا خلونا نبلش. Le Canada n'est pas la seule monarchie constitutionnelle en Amérique du Nord. Faux. Quelle est la phrase clé du document constitutionnel original du Canada? Paix, ordre et bon gouvernement. Quel est le nom du document constitutionnel original du Canada? L'acte de l'Amérique du Nord britannique. Nommez trois croyances qui ont permis aux Canadiens de bâtir une société prospère dans un environnement difficile. Travail acharné, fair play et liberté ordonnée. En quoi les poètes et les auteurs-compositeurs ont-ils salué le Canada? Le Grand Dominion. Qui sont les trois peuples fondateurs du Canada? Autochtones, français et britanniques. D'où les ancêtres des peuples autochtones auraient-ils migré? L'Asie. Les droits ancestraux et issus de traités ne figurent pas dans la Constitution. Faux. Quand les droits territoriaux autochtones ont-ils été garantis pour la première fois? En 1763. Qui a proclamé la première garantie du droit territorial pour les Premières Nations? Le roi George III. Quand le gouvernement fédéral a-t-il placé de nombreux enfants autochtones dans les pensionnats? Des années 1080 aux années 1980. À quoi se réfère le terme indien? Tous les peuples autochtones qui ne sont ni Inuits ni Métis. Quand le terme Première Nation a-t-il commencé à être utilisé? Dans les années 1990. Combien de membres des Premières Nations vivent sur des terres de réserve aujourd'hui? Environ la moitié.
Quels sont les trois principaux groupes autochtones? Première Nation, Métis et Inuit. Qui était John Bushan? Un gouverneur général du Canada populaire. Quel était le point de vue sur l'immigration de John Bushan, un gouverneur général populaire du Canada dans les années 1930? Unité dans la diversité. Que signifie le mot Inuit? Les personnes ou le peuple. Où vivent les Inuits? Dans des communautés dispersées à travers l'Arctique. Qui sont les Métis? Un peuple distinct d'ascendance mixte autochtone et européenne. Où habite la majorité des Métis? Province des Prairies. Quel est le profil de la population Métis? Ou quelle est la langue qu'ils parlent? Français et anglais. Quel est le nom du dialecte métis? Métis. Quel groupe d'autochtones a la plus grande population au Canada? Première Nation. Quelles sont les deux langues officielles du Canada? Anglais et français. Combien d'anglophones y a-t-il au Canada aujourd'hui? Millions. Combien de francophones y a-t-il au Canada aujourd'hui? 7 millions. Dans quelle province vit la majorité des francophones? Québec. Quelle province est la seule province bilingue officielle? Nouveau-Brunswick. Les Acadiens sont les descendants de quel groupe? Les colons français qui ont commencé à s'installer dans ce qui sont aujourd'hui les provinces maritimes en 1604. Qu'est-ce que le grand bouleversement? La déportation,
de plus de deux tiers des Acadiens de leur patrie entre 1755 et 1763. Les Québécois sont les descendants de quel groupe? Les colons français des années 1600 et 1700. Qui a reconnu en 2006 que les Québécois forment une nation au sein d'un Canada uni? La Chambre des communes. En devenant Canadien, quels principes les nouveaux arrivants doivent-ils adopter? Démocratique. Qui étaient les colons anglophones? Anglais, Galloway, Écossais et Irlandais, qui sont généralement appelés Canadiens anglais. Les anglophones. Depuis les années 1800, où est née la majorité des Canadiens? Canada. En ce qui concerne la diversité, à quoi fait souvent référence le Canada? Une terre d'immigrants. Depuis les années 1970, d'où viennent la plupart des immigrants? Asie. Après l'anglais, quelle est la deuxième langue non officielle la plus parlée dans les foyers canadiens? Chinois. À quelle appartenance religieuse la grande majorité des Canadiens s'identifie-t-il? Christianisme. Qui est Marjorie Turner Bailey? Un Olympien est descendant de loyalistes noirs. Laquelle des affirmations suivantes concernant les pensionnats indiens est fausse? Les Autochtones ont demandé à être placés dans des pensionnats indiens. وهيك بيكون خلص درس اليوم، إن شاء الله تكونوا عم تستفادوا وعم يعجبكم الشيء اللي عم بعمله، بحب أذكر الجميع إنه إذا أنتم ما عرفتوا تجاوبوا على الأسئلة كلها صح، مو مشكلة، ارجعوا شوفوا فيديوهات الشرح وارجعوا شوفوا فيديو الأسئلة مرة ثانية وثالثة لحتى تتأكدوا إنه حليتوهم كلهم منيح، مشان أتأكد إنه أنتم حفظتوا الأسئلة منيح وإنه أنتم فهمتوا هذا الفصل بطريقة منيحة كثير. استنونا فيديوهات جديدة رح نكمل الفصل الثالث اللي هو يعتبر واحد من أصعب الفصول تاريخ كندا أو ليستوار دو كندا. إذا عجبكم الشي اللي عم بعمله بتمنى تعملوا لايك للفيديو وتعطوني رأيكم بالتعليقات، وإذا عندكم أي سؤال كمان حطوا لي بالتعليقات وتعملوا سبسكرايب معنا بالقناة. شكرا كتير لكم.